Bonjour, internotatrice et internotateur. Ici Gelden pour les jeux du cygne. Nous retrouvons notre base endeuillée. Sauf que j'ai réalisé qu'il fallait impérativement que si je veux imaginer pouvoir ressusciter un moment ou un autre Ardarin et Poslovet, il faut que je les conserve au frais. Parce que plus ils passent de temps dehors, plus ça pose problème. Donc alors je sors Tardarine, que je le congèle et puis que je me prévois une solution, une crypte frigo quelque part pour ce genre de situation. Triste, mais néanmoins réel. Donc, je vais devoir ouvrir ça. Ça, du coup, en fait, je vais l'interdire. Je vais l'annuler. Je pense que je vais me faire ça par ici. Faire. Tac. Pas besoin que ce soit très grand. C'est du calcaire encore. Tac. Et il faudra, voilà, je ferai une sortie. Tac, tac, tac. Là, il faudra que je mette une porte en calcaire. Là, je vais mettre un mur en calcaire à côté pour pouvoir mettre non, j'ai pas besoin de mettre un mur, il suffit que je mette la température climatiseur directement, sauf que si je veux faire intelligent, je vais le faire comme ça. Hop. Il va me falloir relier tout ça avec de l'électricité. Tac. Voilà. On va faire ça comme ça. Et donc il va falloir que. Hop. Toute urgence. Papillote. Attends, peut-être pas papillote. Qui est pas vraiment la personne la plus stable en Zmoy. Qui a priori a moins de difficultés puisque c'est un psychopathe. Pardon. Hop. Tac. Tu vas. Affecter à personne. Stockage. Stockage. Personne. Tac. Pourquoi est-ce que du coup ils m'ont comment desséché? Pourquoi est-ce que je peux pas le transporter là? Je ne sais pas. Aucun espace configuré pour stocker. Ben, si. Il est peut-être plus considéré comme un colon. Ouais, les options sont pas les mêmes. Si ça... Ah si si je fais ça. Il faut sans doute. Est-ce que là ça passe ou pas? Non. Je vais regarder, je vais me mettre en pause et je vais regarder. Bon, j'ai pas bien compris pourquoi j'arrive pas à le gérer. Je vais faire ça autrement, je vais essayer de speeder la mise en place de
l'installation de la crypte ici. Et puis, comment je déplacerai tout le sarcophage avec Ardarim dedans. Il me faut donc en extrême vitesse que Toshiro, hop, tu ne veux pas dormir maintenant. Tu vas me construire ça. Un ami de frénésie de tir, super utile. Ok. Donc là, je le mets tout de suite à moins 19. Hop. Et ensuite, il faut que ça creuse. Toute vitesse. Machinerie compactée, c'est très bien. Caravane arrivée. Alors, tac. Donc, il faut aller pirater ça. Et au moment où je vais pirater ça, ils vont pas être contents. Mais vu le peu qu'ils sont, ça risque de mal se passer pour eux. Hop. Je vais m'assurer. Je vais faire divers zones d'attelage. Je vais installer. Hop. Qu'est-ce qui est pas trop mauvais en animaux là? Toc. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Bouddha. Voilà, va atteler tout le monde. Hop. Tu vas rejoindre les copains. Donc au moment où je vais me mettre à pirater, ça va bastonner. Broudaf qui va pirater. Hop, voilà. Ça bastonne instantanément. Voilà. Bim. Ça a été sale. C'est piraté. Hop. Bim. Et voilà. C'est fait. Donc, j'ai du marbre à récupérer. Bon, je vais pouvoir un peu tout démanteler. Ça ira assez vite. Zone, hop. Vous allez commencer par m'enlever. Attends, je peux. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je vais récupérer ça, 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 ça. J'ai comme. Tac. Tout revendiqué, on va enlever. Ouais, quand même, j'ai. Ah, c'est. Ah non, c'est étendre la zone. Tac.
La trompette commande. Je vais commencer par faire ça. Tac. Tout ça, je l'autorise. Récolter ça. Si besoin, je vais récolter ça aussi. Tac. Voilà. Je peux lâcher les dromadaires. Ah, ah oui, d'accord. Bon. Chier. Fais chier. Il arrive juste du côté de mes dromas. Ah, bon. Tac. 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 Bon, allez. On repart. J'ai ce qu'il me fallait. Tac. Normalement, j'en suis à quoi? 3 sur 5. Tac, reformer la caravane. Hop. Je peux prendre l'arbre. Non, on va pas commencer par ça. Ça, je m'en fous. Ah, de l'argent. Tout ça, je m'en cogne. Hop, le pimcon, tac. Et prenez-moi du marbre. Hein. Hop. Voilà. Tac. La porte est faite, c'est parfait. Tac. Moussa rasé s'en occupe. Bon, c'était bon du coup. Tac. Zikino veut changer d'apparence, qu'il le fasse. Ah, nous avons une nouvelle recrue, Lapine. Qu'est-ce que tu fais, toi? Très bon soldat, mais à part ça, pas grand-chose de terrible. Donc, déjà... tu vas avoir des habits de soldat. Je vais mettre en tir, même si elle est bien mêlée. J'ai quand même perdu deux tireurs récemment. Donc. En termes de talent. Ah oui, il faut que j'attende que les autres arrivent. Bon, je vais lui donner. Il y a pompe automatique normale. Est-ce que j'en ai pas de meilleur que ça? Si, j'en ai un bon. Tac. Alors, Lapine, à part ça, tu sers pas à grand chose. 3, 2, 1. Chasseur, yes. Cuisinier, bof. Geôlier, bof. Constructeur 4, artisan 4, forestier 4. Ouais, tu vas me faire pas grand chose de bien passionnant. 7 comparé au 15.
Yaketsuki. Je vais même le mettre en 3. Tac, voilà. Et donc je vais tout de suite faire le transport ici. Hop. Hop. On priorise ça même. C'est Moussardet qui m'occupe très bien. Parce que je me demande si s'il transporte avec ou sans cadavre dedans. Balèze. Le mec, il est balèze. Un tombeau en marbre, plus un cadavre. Respect. -11 degrés, ça va le faire. Hop. Et il m'en faut une deuxième. Alors, commercer. Ah, dommage. Dommage. Ok. Je peux agrandir un peu cette pièce encore. Dame Namit qui va rajeunir. Bouffe. Ah, c'est que du végétaux. Du lait et de la gelée. Ça va le faire quand même. Là, j'aurais besoin que tu me fasses du marbre. Hop. En priorité. Alors je vais me rajouter des lampadaires. Parce qu'en fait là il fait assez sombre. Un peu de lumière, que dire entre. Bien, ce problème-là est en passe d'être réglé. Alors, de nouveau réformé. Mais je ne vais pas le faire. Parce que là, il est quand même globalement assez satisfait de comment les choses se passent. Hop, croix guérie, très bien.
Ici, 60 sur 60. Super. On va pouvoir enterrer Postlevette. Moins 19 degrés. Ouais, puis, on sait jamais. Hein. On va faire en sorte d'en avoir au moins une plus. Donc là, on va mettre Miss Postlevette, Zmoy, qui nous fabrique une chemise, non. Mangazor, qui transporte du marbre. Hop, prioriser l'enfouissement. Hop, je fais une mini pause. Voilà donc. Hop, mon gazor se charge d'enterrer cette pauvre postelette. Alcoolique repentie. Ou pas. Et on essaiera de les ressusciter si on le peut. J'ai plein de gens qui sont inactifs. Je me suis rendu compte que je n'avais plus de bois. Ce qui peut peut-être poser problème parfois. Donc on va déjà essayer de couper. Bon, il y a de quoi faire. Même au sein de la base. Hop. Tac. Voilà. Je récolte tout ce qui est au sein de la base. Ils ne font que passer. Et puis, en métal, en acier, j'ai ce qu'il me faut normalement. 304, c'est pas énorme. Je vais peut-être aller quand même en miner un peu plus. Tiens, là j'ai de l'uranium à miner éventuellement. Là j'ai quoi? J'ai de l'argent que je peux miner. Et puis oui, j'ai quand même ça à gérer. Bah, je vais le gérer maintenant, par exemple, avant de se lancer dans quoi que ce soit d'autre. Allez. Tac. Maintenant que. Tac. Où j'attends Célestine. Non, je vais attendre le Célestine. J'ai vu qu'il lui restait 16, 14 heures à passer en boîte. Katsuki, ça attendra plus, mais je vais attendre ça. 312 tissus. Mécanique de merde. Oh putain, les cons. J'avais dit qu'il fallait que je m'en moque. Et merde. Bon. Eh ben, ça va être plus compliqué à gérer maintenant. Zone à éviter, on va largement l'augmenter. Largement l'augmenter parce que tout ça là, hop, ouais, donc ça va être tout ça, tout ça, tout ça. Non, c'est retirer une zone. Hop. Voilà. Ah, ils ont quand même réussi à m'en défoncer un piquier, ce qui est pas mal. Et l'autre est à 16% de santé. Ça devrait le faire.
putain de merde. Quel con. Et un siège, formidable. Bon bah... Ouh, commence à y avoir des armes un peu plus... des armures là. Une petite armure de commando. Et lui aussi. Armure de reconnaissance. Bon, et ben... Donc on attendra encore avant de gérer... Les saloperies. Et ben feu. La pine, tu vas te soigner toute seule. Hein. Les trucs qui tiennent un peu loin, ouais, il y a les fusils d'assaut là, fusil de précision aussi, ok. Il va pouvoir me shooter de loin, le saligo. Une petite sauvegarde. Hein. Ouais, je... Vu les morts que j'ai ces derniers temps, attends, on va devoir se regrouper là. Et ben go rush. Alors qu'est-ce qu'il y a des grenades, c'est qui, c'est Vance? Ouais, Vance, il faut que je le rush. Qu'est-ce qui va le plus vite là? Ça, c'est qui va le plus vite. Tac. Toi, tu vas taper Norman. Oh oui, putain. Saleté. Paul, ce sera pour Zmoy. Damnamite. Malvinette, mon Dieu. Oh là 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 là. Incroyable. Alors là, il faudrait que j'arrive. Voilà, dans ce cas, je vais envoyer Moussara dessus. Qui a plus de chances d'assommer. Bande, on a dit. Tu peux me cibler, merci. J'ai une pompe automatique. C'est toujours chiant de cibler pour les. Tout à quoi, Raymond? Hop. Tac, tac. Alors, Mangazor. Tu vas t'approcher jusque là. Louri jusque là. Toshiro. T'es quand même pas très protégé. Tac. Brudaf. Tac. Winix, on va essayer de pas te perdre. Tant qu'à faire, Zikino. Tac, Morgane. Là, et Smarty.
et 6. Malvinette, quoi. Qui revient en étant chez les méchants. Papillote qui commence à se faire asphalter. Toi, t'es... Ok. Sur qui tu es là? Essayer d'empêcher de tirer. Toc, toc, toc. Défoncer. Waouh, il va prendre cher. Malvinette est morte. Bon, dommage. Tu vas essayer de me récupérer. Hop. Ça. Hop. Roudaf qui est à terre. Alors, Scorpicon, on a terminé avec lui. Attaqué. Dynamite. Ah, attends, là tu as terminé. Qui est là. Lapine, tu t'es occupé de toi-même, non? Elle va te soigner. Ok, place à défense. Hop. Hop. Tac. Ça c'est fait. Bon, Toshiro, tu rentres à la maison. Zikino, tu me sauves Broudaf. Onyx, tu rentres. Morgan, tu rentres. Smarty, qu'est-ce que tu veux, toi? Tire, bon tireur, je prends. Tendance toxicomaniaque, bof, Emma, bonne mémoire. On fera avec. Hop. Mangazor, tu vas me capturer. Tac. Scorpicon. Vous s'arraser, vous rentrez. Smarty, tu vas aller défoncer Masson. Hop, Dynamite, tu rentres. Smarty, ça tu me rapportes en urgence. Hop. Tac. Allez, mec. Krogan, non, tu... Bon. On va faire. Hop, on dit bon, bon. Bah, je vais aussi... ma lunette s'est fait laver le crâne. C'est Christ. C'est Christ. Hop.
Typiquement, ça tombe bien, j'avais construit un tombeau en plus. Hop, ce sera pour ma lunette. Hop. Attends, c'était qui était en pleine forme? C'était Smarty. Ray. Comme essayer de la récupérer. Qui sait si elle ressuscite, si j'arrive à la ressusciter. Franchement, elle était un peu jalouse. Je vais l'interdire. Mais il faudra ici. Est-ce que je peux stocker? Cadavre humain, je vais mettre des cadavres d'étrangers aussi. Parce que c'est quand même pas vraiment une étrangère. Alors là, elle est interdite. Donc je vais l'autoriser. Enfouir ma lunette. Grossiste, c'est bien le temps. Maman. Enfouir, c'est bon, il me met au bon endroit. Nickel. Merde, Barra. Putain. Oh my god. Il y a peu de temps, il me semble que... Ok, alors... moi je vais sans doute pouvoir me faire d'autres... parce que vu comme je suis en peine, déjà de plus, ce sera pas forcément mal. Tac, tac. Maladie grave pour Broudaf. Va dans 2 heures. Onyx. Priorité. C'est quand même ton mari, tu vas essayer de le sauver. Hein. J'en ai d'autres là qui sont en état plus que. Ouh, 4 heures ici. Zikino, tu fais pas un peu de soin, non? Smarty, ouais, bof. Smarty, tu vas soigner Laurie. Damnamite, ça va. Scorpicon, 22 h, ça devrait aller. Morgan, là. Toshiro, 11 h. Quand même. Soigner Scorpicon. Même si t'es pas très fort, mon Gazor. Me soigner Toshiro. Kroga, c'est bon. Zmoy, 15 h. Papillote, 3 h. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, Papillote? Oh la vache. Bon, Bouddha fait sauver. Secourir Papillote. 3 h. Hop.
Toshiro, c'est bon. Chaud quand même. Question con. Lui, on est où? Bon, ça va. Il se balade lentement, mais sûrement. Et puis là, bah, il va falloir que je nettoie quand je pourrai. Hein. Papillote, c'est bon. C'est sauvé. Le grossiste est dispo. Dans mes jambes, ils sont pas trop mal. Le Zikino. Il va leur causer quand il se réveillera. Bon, bah, c'était chaud quand même, hein? Bordel. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des gens qui ont perdu les... Ah oui, un bras. Il me faut un bras. Et là, une jambe. Ok. Un bras, une jambe. Éventuellement une autre jambe. Donc, un bras, deux jambes. Deux bras, deux jambes. Trois bras. Deux jambes. Un poumon. Ça. On a en stock normalement. Hop. Tac. J'ai dit. Putain, j'en étais à deux bras, trois. Je sais plus. Notre prothèse là. Donc, un bras, une jambe, deux jambes, deux bras, deux jambes, trois bras, deux jambes. Quatre bras, deux jambes. Bon. Quatre bras et deux jambes, ça va m'occuper. Non, c'est pas là, c'est là. Quatre bras et deux jambes. Hop. Ça coûte combien ces trucs? 4 composants avancés à chaque fois. Je vais pouvoir en faire que 2, ok. Je crois que je suis sur fabrication, c'est ça? Fabrication avancée. Bon. Fabrique des croquettes, ok, si ça te chante. Ok, allez, on accélère. Bon, ce que je vais faire, je vais... Attends, toi, c'est bon, t'es sauvé. Convertir. Scorpicon est totalement guéri. Alors, du tissu, on m'a dit qu'on avait besoin. Herbe médicinale. On va manger ce qu'il faut. Du bois, c'est bon, j'en ai maintenant. Ouais, j'ai pas grand chose. Par contre, je peux bien vendre ma viande d'insecte. Je peux bien vendre ma binouse. TPKOE. Amnésia, j'ai ce qu'il faut. Yaourt. Tac, ambroisie. Euh,
Mébinouze. J'ai des trucs médiocres. Tac. Tac. Normal. Hop. Les statues, pas terrible. Hop, tac, tac. Bonnet en tissu, on s'en fout un peu. Neuf cent treize sur 968, ça me semble pas mal. Hop, c'est bon. Tac. Allez, accepté. Juste pour vérification. Oh putain, là, non. Je vais utiliser la blinde. Vache. Ouais, tu me diras en même temps, vu la quantité de baffes que je me suis pris ces derniers temps. Je vais acheter les herbes médicinales qu'il y a. Hop. Bon. Le rajeunissement, ça va demander. Il faudrait nourrir Broudaf là. Morgane a besoin de soins. Ouais, bon, t'as été juste de conditions, hein, ça va attendre un peu. Ah, c'est Célestine est revenue. Est-ce que des tendances extrêmes pour Papillote, ça te change pas beaucoup? Voilà. Je vais te divertir devant la télé. Après une insulte pour Louis. Je vais voir un cadavre. Bah, va les insulter. C'est une faire. Bon, je vais arrêter cet épisode maintenant. Hop. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais bien des bisous les gens et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao!